le monde. Je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je fais l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de la mort.
dans cette salle. Thank you.
Dis-la que c'est, dis-la que c'est, dis-la que c'est.
Mama, 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 M
Thank you.
Give me someone.
Name someone, 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 name
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
qu'on doit se former sur la suite du programme. Tata Foi Voyageon qui nous a quittés au jour d'aujourd'hui. En fait, depuis un bon temps, nous parlons au présent au jour d'aujourd'hui. Il est parti, il n'est plus avec nous. C'est notre papa qu'on a tant aimé, qui nous a laissé 11 enfants, 11 beaux enfants. Et puis, Papa Foi Voyageon n'était pas malade. Papa, il est parti parce que, au bout de, à l'espace de 2 semaines, il a perdu deux frères. Il a perdu deux frères à l'espace de 2 semaines. Et après, s'en est suivi une autre information qu'on a portée, comme quoi qu'il avait, il y avait un autre frère qui était malade. Du coup, par rapport à cette information, papa a fait une crise cardiaque. Et c'est ce qui a fait que papa puisse nous quitter. En temps normal, si on revient à la normale, papa n'était pas malade. Mais il est parti avec l'âge, avec certaines choses. Les informations que nous recevons peuvent faire de sorte que papa a fait de sorte que papa puisse en fait rendre l'âme parce qu'il en avait marre. Regardons un peu la situation de ses frères qui sont partis, les deux qui sont partis à l'espace de 2 semaines, et s'en est suivi une autre annonce qu'on croit qu'il y a un de ses frères qui est encore malade. Alors du coup, il n'a pas pu supporter en fait cette information, c'est la douleur en fait qu'il a ressentie. Et c'est ce qui fait que papa puisse nous quitter. Comme d'accoutumé en fait dans notre en fait la vision congolaise que nous avons, et puis en tant que Congolais, et puis ce que nous faisons d'habitude dans les pareilles circonstances, on doit d'abord faire une prière. Amen. La prière sera faite par un frère qui est ici présent. Donc je vais demander à ce frère de venir afin que puisse nous emmener dans une courte petite prière, une courte prière en fait. Oui, comme on l'a dit, dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous allons faire une petite prière. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu sais pourquoi nous sommes réunis en ces lieux. Seigneur, car tu as dit, dans toutes choses, nous devons te rendre gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons encore un grand merci de nous avoir rassemblés en ces lieux. Oh, voici la famille qui est en train de pleurer. Notre papa qui est parti si brusquement. C'est vrai, on ne peut pas s'habituer à la mort, car la mort nous fait toujours mal. Voilà pourquoi, Seigneur, fortifie ses enfants et toute la famille qu'il a laissée. Et toi seul, oh Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Que les choses se passent bien. Seigneur, que la continuité, toi-même, que tu sois au contrôle de tout. Seigneur, merci pour toutes choses. Gloire et louange soient rendues à toi. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, que ça soit dans cette famille, dans tout ce qui se passe, Seigneur, les morts qui se suivent, toi-même tu sais le pourquoi. Voilà pourquoi, Seigneur, que le diable n'a nul pas concernant cette famille. Maintenant, je dis au nom puissant de Jésus, ça arrête avec la mort dans cette famille. Mais que tu n'as ni bonne part concernant la vie de ses enfants qu'il a laissés et toute cette famille qui sont en pleurs. Fortifie la famille. Cela dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous te disons ensemble. Amen. J'ai oublié en fait quelque chose. Tout est parti très vite. Par rapport au voyage, nous avons les enfants qui sont ici ont prévu leur départ le mercredi. Alors nous allons demander aux frères et sœurs ici présents de continuer à passer afin que nous puissions consoler en fait nos sœurs, tout comme des frères, des cousins, ainsi de suite. On va apporter ce qu'on peut par la consolation. Que Dieu nous garde jalousement.
soyons soudés comme nous l'avons toujours été. Merci et à bientôt.